Annoncé en grande pompe dans la capitale française, le dictateur Denis Sassou Nguesso a été lamentablement humilié. Une visite officielle qui tourne au fiasco diplomatique. Emmanuel Macron n'a pas souhaité le rencontrer au palais de l'Élysée. Une information qui nous a été confirmée par une source digne de confiance, travaillant à l'ambassade congolaise à Paris. Choqué par le refus du locataire de l'Élysée de le recevoir, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est contenté de rencontrer l'actuel grand maître de la Grande Loge de France, où plusieurs questions ont été évoquées, notamment son rapprochement à l'axe de Shanghai, Russie-Chine. Fort Niasimbe a profité de l'occasion de lui rendre compte des attentes d'Ali Bongo, qu'il accuse d'ailleurs implicitement de vouloir renverser son régime en finançant l'opposition. Le génocidaire du peuple Lari vient d'être humilié de nouveau après son échec d'avoir un tête-à-tête avec le président américain Joe Biden lors du sommet US-Africa. Denis Sassou Nguesso quittera la capitale française soit dans la soirée aujourd'hui, sinon au plus tard demain dans la matinée. Ce fiasco diplomatique est à mettre dans le camp d'un homme usé par le faux et la fraude.